Calmons tous les égyptologues du dimanche, là, ceux qui se croient égyptiens. Boteler Pangis et Mutombo Lionel. À ma grande surprise, en 2021, j'ai découvert une école initiatique, l'école Kimuntu, basée sur la tradition Congo. Je me dis, ok, pourquoi pas, j'aime bien me former en spiritualité. Je suis allé voir ce que c'est en Asie, en Europe, en Amérique. Il serait temps d'aller voir ce que propose le continent africain. Je prends les cours, je prends les conférences. Et à ma grande surprise, j'apprends qu'il y a un lien entre la tradition Congo et Kemet, l'Égypte, Ngipiti. C'est les mêmes consciences. Nout, on l'appelle Mamantouni, Hathor Mamamayangi, Sekhmet Maamankosi, Geb Mazimbin Toto, Tefnout Mazimbi Mamba, Chou Mazimbin Pi. Pour le feu, c'est la même chose que Nout, Mazimbin Baou. Horus, Tat Adzambi, Osiris, Fumaou, Isis, Mangou, comment on fait? Toutes les consciences égyptiennes se retrouvent dans le Panthéon Congo. Et le délire, c'est que c'est pas de la théorie en mode je l'ai lu dans un livre, c'est de la pratique. C'est-à-dire que nous, on va directement se brancher à eux, travailler avec eux, canaliser leurs énergies. Comme je te parle, en fait. Et c'est clair que si t'as un cerveau terre-à-terre scientifique, moi à la base je suis ingénieur en sciences, t'es là, qu'est-ce qu'il raconte? Mais moi je reste un scientifique, mais un testeur. On me dit que je peux rencontrer Sekhmet la Lionne, je dis, ok, je me fais initier, on y va, on va lui parler. Eh ben ça te change la vie. C'est vraiment le bonheur. Donc oui, c'est pas dans les livres d'histoire, parce que cette tradition a été détruite, combattue depuis des millénaires, avec l'invasion des Hyksos, les Assyriens, les Perses, les Grecs, les Romains, les Arabes, les Français, les machins. Ça, on a été pourchassés jusqu'au fin fond de l'Afrique et déportés jusqu'aux Antilles, aux Amériques, pour une chose, c'est parce qu'on était trop chaud. Spirituellement, on était les derniers représentants de Maat, l'équilibre. Toutes les traditions mathiques se sont fait détruire. Les druides, les sorciers, les Amérindiens, les Indiens, les Dravidiens, tous. On est dans une guerre contre des forces du chaos, des forces de l'astral et des forces de l'équilibre. Mais c'est clair que si tu n'as jamais travaillé sur l'éveil énergétique, l'éveil spirituel, ce que je dis, c'est du chinois multi, pardon, pour les chinois, du sumérien, ils sont plus là, multidimensionnels. Donc peut-être démarre ton éveil et fais l'effort de regarder ce que les cours du Kimuntu et tu comprendras pourquoi je parle de tout ça. C'est du savoir initiatique. Mais ça a été détruit, donc c'est pas dans les livres de Champollion, c'est clair. Qu'est-ce que t'en penses?